Le message du gouvernement central chinois à Hong Kong est clair. Depuis le 9 juin, la violence s'est intensifiée et a fait de nombreuses victimes. Hong Kong est confronté à la situation la plus grave depuis sa rétrocession à la Chine. Monsieur Jiang a déclaré que la tâche la plus urgente à présent était de mettre un terme à la violence et de rétablir l'ordre et que les autorités centrales disposent des moyens et de la force nécessaires pour faire face aux troubles qui pourraient survenir. Il a déclaré que les autorités centrales soutenaient à 100% la direction de la chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, conformément à la loi et que son soutien à la police de Hong Kong était ferme. En ce qui concerne l'avenir, M. Jiang a déclaré qu'un retournement de situation ne viendrait pas du retrait ou d'un compromis avec l'opposition. Il a déclaré que le gouvernement central ne ferait aucune concession sur des questions relatives à ses principes. Plus de 550 personnes ont assisté à la réunion mercredi dans la ville de Shenzhen, y compris des parlementaires de Hong Kong, des conseillers politiques et des dirigeants de différents secteurs sociaux. Je pense que le message est clair maintenant. La stabilité est la priorité. La primauté du droit est la valeur fondamentale de Hong Kong. La stabilité de la société dépend de la stabilité du gouvernement et la stabilité du gouvernement dépend de notre soutien à la chef de l'exécutif, au gouvernement et à la police de Hong Kong qui ont assuré la sécurité et la primauté du droit de Hong Kong afin que la population puisse être rassurée. Seule la vie des personnes sera stabilisée pour que Hong Kong puisse maintenir son développement. Ce n'est que lorsque la politique « un pays, deux systèmes » sera mise en œuvre que les Hongkongais pourront vivre heureux. La prospérité de Hong Kong sera la fierté de notre pays. Les personnes qui aiment notre pays et Hong Kong protégeront définitivement la stabilité de la ville. Les Hongkongais peuvent sûrement bien gouverner, maintenir sa stabilité et protéger le drapeau national. Les participants ont également appelé la majorité silencieuse de Hong Kong à faire entendre leur voix et à dire non à de nouvelles violences.